Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Tic Tac et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le portail de Ellie. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que bon, j'étais un peu occupé. Donc voilà. Je vais baisser un peu la musique. Alors, je ferai peut-être 3 cycles parce que le portail est beaucoup trop intéressant, clairement, surtout sur le nombre de doublons intéressants à choper. Ça va dépendre en fait de mon taux de drop. Si je drop 3 Ellie au premier cycle, je fais 3 cycles. Si j'en drop 2, je fais 2 cycles. Si j'en drop 1, je fais 1 cycle. Et ça, ça compte dans le premier cycle, bien sûr. Ok, bon, on est parti, hein. Sinon, je garde mes diamants pour les prochains, pour le prochain fest et les prochains portails. D'accord. J'aurais préféré une Ellie, hein, vu qu'il y avait un Hawk, mais bon. Apparemment. Bon, bah, c'est juste là, bon, bah, voilà, ça y est, je me fais troll. J'ai deux multi avec un cochon. Je drop deux archanges. Deux archanges que j'avais pas spé 6. Et spoiler, c'est pas de Ellie. Bon, écoutez, maintenant je veux plus les voir, perso. Putain, j'ai vu deux SSR avec des animations éclatées, genre. Avec un cochon, je me suis dit, vas-y. Peut-être un Hawk. Mais non, j'ai bien eu deux SSR, mais pas d'Elisabeth, évidemment. Ok. Ouais, dans la logique, je vais me faire shafter. Que dire? Bah, il se passe rien d'incroyable, hein. Bon, allez, je ferai deux cycles minimum. Y a pas de haut qu'on s'en fout. C'est la règle. Pas de Hawk égale aux F. Quand je parlais d'avoir une Ellie, je veux la nouvelle en fait. Je veux pas la Ellie rouge. Que j'ai déjà spé 6 en fait. Enfin. C'est un peu chiant, tu vois, de me niquer à ce point le jeu. Genre. J'aime pas trop, tu vois. Écoutez, ça fera des sabliers, hein, mais je m'en bats les couilles là en fait. Moi, je veux la nouvelle Ellie. J'irai pas à la spé 6, hein, c'est mort. J'en ai marre de la spé 6, tous les fesses du monde, ça me gonfle. Puis regardez, j'étais spé 6 ultimate et là je les drop 3 fois. Genre, elle tombera quand elle tombera la Ellie, j'en ai rien à faire maintenant. J'en ai marre de. Devoir aller chercher tous les persos 30 fois. Ils tombent jamais sur leur bannière, mais ils tombent toujours sur celle des autres. Moi, ça me gonfle. Donc, je pense que je ferai que deux cycles. Voilà, je leur ai SP2, et puis ce sera très bien. Parce que voilà, de toute façon, je me fais baiser. Waouh, Tristan, bon, allez, ça c'est intéressant. Je n'ai pas SP6. C'est le seul SSR intéressant que je viens de drop, hein, de tout le cycle pour l'instant. J'ai drop le papa, le gosse, il manque la daronne. Et pas sa réincarnation, je veux la daronne. Ah. C'est plus la nouvelle réincarnation techniquement, hein, si on suit le lore. Mais... Vous avez capté quoi, je veux la nouvelle. Et pas une Ellie SR non plus. Pour l'instant, j'ai le droit à rien du tout. C'est incroyable de se faire balayer à ce point, genre.
Ouais, Ludover, trop bien. Oh là là, mais quelle chance j'ai. C'est incroyable. Hein. Paf! En vrai, tu vas pas faire le mec. Cette ulti est incroyable. J'avais pas Spécis Roxy ni Kingfest. Enfin, Kingfest. King Vert Saint-Valentin. En vrai, c'est la seule multi, hormis celle avec Tristan, qui est rentable là pour moi. Megelda. Bon bah une autre multi rentable, j'étais pas spéciste non plus. Sinon Ellie c'est quand tu veux hein. Moi je vois des vidéos où les mecs ils drop ça à 30 diamants, moi je suis là, je dois faire 50 sig pour t'avoir. Ouais, salut Brune. Tu peux rentrer chez toi si tu veux, tu m'intéresses pas. Ah maintenant j'ai Purga. Je savais pas qu'il avait deux darons, Tristan. Il manque plus qu'à lever là. Pour m'être fait troll à 100%. Alors. Il manque élevé. Heureusement que j'ai retiré la règle de drop pour faire deux cycles. Parce que sinon. La vidéo, elle aurait même pas fait 10 minutes. Bah, je drop rien. Genre. Voilà, je me fais encore trollhead. Ouais. Si jamais on me dit dans l'oreillette que Ellie est tantôt augmentée sur le portail. Je crois qu'on n'a pas la même notion du taux augmenté. Hein. Après, j'en étais sûr, j'allais me faire shaft, mais bon. De là à drop tous les persos de la bannière avant de drop Ellie, dont les deux Ellie, c'est chaud quand même. Hein. Ah! Bah, écoutez! Vaut mieux tard que jamais. Au moins, je drop toutes les lits du portail. Bon, du coup, je laisse P3 mini si je fais deux cycles. Écoutez, ça va dépendre. Je vais être un peu gourmand parce que le portail reste gothier malgré tout. Ah bon, bon ça, c'est un doublon que je prends. Je vais l'avoir spécis en fait. Dans un doublon, je l'ai spécis là. Parce que je le drop une fois sur le portail free to play. Et je l'ai pris à la pitié, donc je l'avais SP3 là. Là, je l'ai drop deux fois, ça fait SP5. Je drop encore une fois et je l'ai SP6, le petit King. On va te prendre toi, hein. T'es la seule que j'ai pas SP6. Ce troll! J'ai vu un perso light avec des cheveux blancs. Mais c'est toi, Maël, mais. Je m'en bats les couilles de toi, putain. Fais chier. Ah, ça me frustre. Bon, si je drop une hélice sur ce cycle, je vais faire le troisième. Bon, pour l'instant, c'est mal parti. Hein. Clairement. Après, j'irai prendre ses skins en off. J'aimerais bien économiser des diamants en fait. Parce que c'est Noël, vous savez. Et que enchaîner deux festes, c'est. Pas le père de Noël, c'est chiant. Surtout quand tu dois faire des cadeaux. À toi et aux autres, hein. C'est pas le sujet. Bah. Le salaire, lui, il augmente pas, tu vois. C'est juste les dépenses qui augmentent. Ah là là, les aléas de l'enregistrement. Vous n'avez rien vu, j'ai mis sur pause, mais j'ai eu le droit à une petite livraison. Je vous mettrai un petit gif. Tout ça pour se faire shafter. On a une période de Noël, j'ai eu le droit au calendrier. Je sais pas si vous avez ça chez vous, mais. Mais voilà. Bon, évidemment, ça arrive quand je record, hein. Ça peut pas arriver le reste de la journée. Sinon c'est pas drôle, tu vois. Bon, maintenant que je t'ai droppé et je t'ai spécis, tu peux te barrer, Drexy. Hein. Tu me fais plus de l'œil. Ah, du coup, ça veut dire que là, j'ai Hélice P3 à la fin de ce cycle. Si j'en drop pas, bien évidemment, hein, on se comprend. Mais bon, je pense que c'est ce qui va se produire.
Paf, un autre 3K, let's go! J'ai une chance sur je sais pas combien, mais c'est pas grave. Paf, un autre Tristan, allez, oh, c'est parti! Oula! Ah, ça me gonfle! J'ai encore drop tout le portail avant de redrop la Ellie, genre, c'est une blague. Encore un pur gars! C'est quoi la proie pour que je drop les deux d'affilée? Ben, tu sais pas! Tu sais pas, les mecs, heureusement que Ellie tente augmenter encore une fois. Hein. Franchement, ça se ressent. Hein. C'est une dinguerie quand même. Hein. Je suis un peu salé là. Bon, y a rien, on peut skip. Waouh, un ban, super. Rien à foutre. C'est génial. Y'a rien. Y'a pas de haut que je skip, hein, je vous le dis. Megelda qui passe, je sais pas combien. Ok. Pas de haut que ça skip. Pas de haut qu'on skip. C'est fun, hein, c'est passionnant. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Il y a un hawk. Il y a un hawk, mais je vais me faire balayer. Ah, égalité. Ok, pas de trait bleu pour l'instant. Double égalité. Peut-être. Y a rien du tout. Vous savez quoi, je vais faire le dernier cycle parce que là. Je vais au moins l'avoir spé 4 en fait. Au pire, je skipperai le portail 600. Franchement, rien à la foutre. Ah. Il y a le petit hawk, skip rouge. Je me fais pas balayer. Il y a un monde où j'ai peut-être une Ellie. Ah non. Non, non, il n'y a pas de monde. Rien du tout. J'ai le droit juste au shaft. Très bien. Très bien, net marble. Ok. Shafted. Je déteste quand ils te font des. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est. Le Hawk te garantit un Meliodas ou une Elisabeth. D'accord, ça c'est bien que ça te le garantisse. Mais il faudrait pas que ce soit obligatoire pour en drop une. Genre que tu puisses drop une Elisabeth aussi n'importe quand. Un peu comme. Avec les lasers, tu peux drop un Melio avec Hawk ou les lasers. Mais là, non. T'as pas de Hawk, t'auras jamais d'Elisabeth en fait. Du coup, bah, tu sais directement que t'as pas besoin de regarder l'animation. C'est nul. Ah, on se fait balayer. Ok. Pour changer. Si je la drop là, c'est n'importe quoi. Hein. Ah bah ce sera Roxy, lol, hein, que j'ai spé 48 maintenant, génial. Allez, bon, on fait un dernier cycle. Je serai à 7 diamants pour le prochain portail. Et la réduction des skins, bah ce sera un skip. Je sais même pas s'ils vont le faire. C'est tellement des rats que je trouve qu'ils vont même pas le faire cette année. Bon, c'est un skip. Au moins la vidéo elle fera 20 minutes environ, là on a 14. Si je me fais shafter à ce point, ça ira très vite. Hein. Bon, que dire sinon? Vous allez bien, vous avez fait. Préparez bien vos fêtes de Noël pour ceux qui font Noël, la santé.
Non, parce que bon, il se passe pas grand-chose d'intéressant au juste, hein. On va être honnête 2 minutes, on se fait un peu chier là, non? Je passe ma vie à skip pour du void. En vrai, je me plains, mais j'ai eu beaucoup de fesses, hein. Ça, je ne le nie pas. Encore un putain de troll, merci Netmarble. Mais le problème, c'est que quand t'as un endgame player. Deuxième troll. J'ai les drop combien de fois, mais Gaillarda? 4, hein. Pas une seule fois des. Pas... J'ai eu qu'une seule fois Ellie, par contre, hein. Et je me suis encore fait troll sur 2 Ellie différentes. Là, je suis heureux, là. Ça se voit, hein. Ah, ça se voit que je suis content, hein. Bon, on n'a pas pu faire pire que DK, hein, pour le moment. C'est pas possible, hein. DK, c'est simple, hein. Pas un seul DK en 4 cycles. Ce jour-là, j'ai décidé que j'allais arrêter de se faire 6 les fesses. Parce que ça n'a aucun intérêt. Et voilà, encore un troll. Voilà, hein. Ça ne s'arrête plus. Toi, tu vas tomber combien de fois, Ellie Rouge? Au juste. Non, parce que... Je sais que vous aimez bien me troll, pareil, hein. Ultimate, c'est drop combien de fois? Allez, Netmarble, sois enculé. Ah, non, mais c'est une blague, en fait. Il y a 3 Ellie sur le portail, je drop 2 fois plus toutes les autres Ellie, mais pas celles qui m'intéressent, quoi. Ah, mais quel plaisir. Alors que statistiquement, j'ai une chance sur 2 de la drop, parce que les 2 Ellie additionnées, c'est le taux de drop de la Ellie de base. Donc, si je dois avoir une Ellie, j'ai une chance sur 2 d'avoir la Ellie Light, statistiquement parlant. Mais le jeu me baise depuis tout à l'heure. À l'évidence. Parce qu'il ne donne que des Ellie rouges. Que ce soit celle avec les ailes ou l'autre, hein. La LR. Peu importe. Le jeu me baise. Le jeu me baise. Ah, bah, Harlequin spé6. Ça, par contre, c'est Gucci de ouf. Vous avez vu ce troll? Le nombre d'Ellie que je viens de drop, sans déconner? Bah, dites-vous que ça aura plus que de Ellie Light. Mais non. Tristan. Lui, par contre, je sais pas non plus, il est en rate up, frère. Il a trop envie d'être avec ses parents, je comprends pas. Ok, bon, après le nombre de SSR que je viens de drop, logique que je me fasse shaft. Là, dans la logique, pour être dans les taux, il me faudrait encore un SSR. Et je serais dans les taux de drop. Je sais pas si je l'ai spécie, c'est la mono bleue. Je crois pas. Hein. C'est une dinguerie de drop autant de fois cette pute de Megarda. Hein. Je le dis haut et fort. Hein. Bon, on n'aura même pas vu son animation, parce qu'à chaque fois je skip en fait. J'ai tellement l'habitude de me faire violer sur ce jeu que je skip. Pareil. Sur 3 multis d'affilée, je drop 2 fois mono bleu, genre, enfin. Alors que t'as des persos que tu vois jamais de la bannière, hein. Ah bah. Il manquait plus qu'à voir sa sœur, hein. La verte, lol. Ah, Freya verte. J'ai drop la sœur de la rouge, lol. La jumelle. Ah, si c'est une Ellie sur le dernier. Alors là, je crois, mesdames et messieurs, qu'on est sur un braquage. Je crois que je l'ai spécis. Je suis pas sûr. En vrai, j'ai bien fait de faire. Oh putain. Oh, ce dernier cycle. Oh, j'y croyais même pas. Heureusement que je me suis entêté et que je l'ai fini, quoi. Putain. En vrai, je suis aussi choqué que vous derrière votre écran, je pense. Ah, mais la chatte que j'ai eue sur le dernier cycle, par contre, on en parle ou pas? Le nombre d'Ellie que j'ai drop.
Attendez, on va voir les doublons là parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, le nombre d'éligés drop, vraiment. Écoutez, je comptais pas la spé 6. Mais bon, bah écoute, moi je prends. Hein. On me donne deux élis à la fin. Je vais pas faire le mec relou, tu vois. Je prends ce qu'on me donne. Hein. Bon, les gars, j'ai 8 diamants pour le portail à 600. Bon, j'espère que je vais me faire. Qu'on va me régaler à Noël. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai Noël, moi, du coup, le 24. Qui va me faire une petite rentrée d'argent quand même. Bon, je vais pas tout dépenser sur le jeu parce que bon, voilà. Hein. Mais en plus de Noël, j'ai mon anniversaire le 31 décembre pour ceux qui savent pas. Et ça, les gars. Ben, ça m'est bien. Après, j'ai rien le reste de l'année, mais c'est un détail. Alors. Bon, déjà, on va l'upgrade et puis on va regarder du coup tous les doublons qu'on a drop. Bien évidemment, on va claquer ça. Hein, parce que bon, les livres light, ça casse un peu les couilles, on va pas se mentir. C'est super. Hop, on va te monter. Je remonte pas le reste, hein, parce que ça ne sert à rien. Ça, c'est le skin GVG, du coup. Puis après, c'est les skins achetables, ok. Bon. Alors, du coup, petit récapitulatif. De ce qu'on a drop. Hein, de cette dinguerie de. Cette dinguerie de fanfic, surtout. Hein, clairement. Alors, on a eu 4 ultimates. Hein, c'est juste pas trop énorme. Hein. On a eu 2 Maël, 1 Ban. Ça, ok, ça va, c'est normal. On va dire que c'est un drop classique. On a eu 2 Purga. Et 2 deux, et deux 3K. Plus une Margaret. Hein. Donc globalement, je suis bien, je suis plutôt bien un doublon. Hein. Ici, on a drop du coup bah, tout cela. 4 mégardes rouges, putain. 4 élis rouges. 3 élis rouges. Non mais c'est une dinguerie, dites-vous. Là, j'ai drop 3 élis light. 3 élis rouges. Et 4 élis rouges. Non mais... c'est trop grave. Écoutez, on va aller faire les doublons là, puis après on va couper la vidéo ici, je pense. Ah, c'est quoi ça? Hein? Oh, puis j'ai. Non, j'ai même pas les ressources, vous savez quoi. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, j'ai un. Bon, je pense que vous connaissez la technique, hein. Du coup, Tristan passe P5, c'est cool. Bon, clairement, je joue pas pour sa spé, mais bon, ça fait DGP, les gars. Moi, je dis pas non. Elle est pas spécie, j'en suis sûr. Voilà. J'ai même drop deux fois de trop. Faut vraiment qu'il lui mette une relique à Tristan, qu'il lui mette démon et déesse en race. Parce que bon, c'est le fils d'un démon et d'une déesse. Qu'est-ce qu'il fout en inconnu, en fait? Bon, c'est un détail. Harlequin, du coup, il passe P6. Hein. Voilà, ça, c'est nice. Ça c'est cool de chez cool, moi j'apprécie fortement ce qui se passe là. Ah du coup notre ami Roxy passe enfin Spécis. Ma petite Roxy. Ah toi tu passes Spécis, ceci, ok. Bon à qui le tour? Je crois que c'est tout après, il me semble, non? Peut-être dans les géants, non. Non, j'ai pas drop de géants sur ce portail. Puis après, c'est tout. Attendez, attendez. Je n'aurais pas Squeezin, là. Tiens, toi, là. Non, tout le monde est spécis, ok. Et bah, tu vas passer. Et bah, ici, toi aussi, allez hop. C'est la fête à mon cul. C'est pour fêter la Ellie. On va aller monter du coup la LI pour terminer la vidéo et puis voir un peu ses stats. Hein. Bon, la vidéo arrive un peu tard donc vous avez probablement dû voir ça chez d'autres youtubeurs, mais j'en ai envie. Pire, vous pouvez partir, les gars, c'est pas un souci.
Je sais que la plupart du temps, vous êtes là juste pour les invoques. Ce qui est pas un mal en soi, hein, c'est le principe de la vidéo. Donc bon. Si vous restez pas jusqu'à la fin en soi, ça ne me dérange pas. Principal, c'est d'amuser la galerie. Avec mes réactions, hein, c'est le principe d'une vidéo invocation. Là, je suis à deux, là. Il m'en faut deux. Attends, qu'est-ce que tu me fais, le jeu, là? Voilà. Ouais, bon, je l'upgraderai niveau 100 plus tard. J'ai la flemme d'aller faire des démons, là. On va juste faire ça, puis on va se laisser. Maman! Skipped. Bon, si vous voulez savoir mon pronostic du coup pour le prochain fest, celui qui arrivera en janvier si je ne me trompe pas. Alors pour moi, c'est clairement un Meliodas. On a eu Ellie Queen, ça me choquerait pas qu'on ait Meliodas King, tu vois. Ça serait logique en soi. L'année dernière, on avait eu le droit à Purga et puis je sais plus ce qu'on avait eu le droit à quoi. Purgatoire et... Je crois que c'était Escanor et Purgatoire. Hein. Je suis pas sûr. Ouais, bref. En tout cas, ce serait pas déconnant qu'ils sortent un nouveau Melio, le dernier. Oh putain. Ils sont vraiment toxiques à ce point. Bon, c'est pas grave, ça nous permettra de voir l'aspect. Bon, l'aspect qui est complètement abusé, hein. Il s'est fait de grosses baleines, hein, clairement. C'est pour ça que je suis pas mécontent d'avoir ce P6. Mais j'aurais pas été faire 6 cycles si ça aurait été nécessaire, clairement, je vous le dis. En tout cas, ce perso a l'air bien broken en GVG, je vous le dis. Ça a l'air d'avoir un gros gros potentiel. Pour tout ce qui est anti-ultrush, ça a l'air d'être incroyable. Après, faut juste bien la placer, quoi. Ça, c'est un autre débat. Bon. Voyons voir un peu les stats du perso. Bon, le passif, hein, je vous laisserai lire en off. Alors. 100, 100 et 120% de chance crit, c'est pas énorme, je trouve, hein. Voilà, beaucoup de dégâts crit, ça c'est normal. Défense crit, ok. Parce que quand tu regardes la chance crit sur, par exemple, on va prendre un des fesses qui est sorti récemment, on va prendre elle à tout hasard. Chance crit, ouais, si, elle est à 120. On va prendre un CDS. Ban, il a combien de chance crit? 104, ouais, non, si elle est dans les clous, ok. Je sais pas, j'avais l'impression que ça me paraissait très faible, genre. Ça me paraissait faible. Mais ça a l'air d'être dans les clous. Bon, allez, je me fais quelques petites orbes en plein live, et après on se laisse. Bon, ceux qui rush du coup les constellations, j'avais une solution pour vous, je vous l'ai pas dit au début, mais bon, je vais vous en parler maintenant. Si vous avez envie d'avoir des GP, hein, c'est-à-dire pouvoir rush un peu tout ça, ce que vous pouvez faire maintenant, hein, depuis quelques mises à jour déjà, vous pouvez monter la Ellie, vous voyez, niveau 100, sans pour autant mettre son XP. Du coup, vous avez les GP sans mettre l'XP. C'est un petit détail, un petit tips, hein. Ceux qui s'en sont pas rendus compte. Peut-être que je suis le seul à m'en être rendu compte il y a peu de temps. Pareil pour le Fraudrine. Bon, par contre, pour les étoiles de super éveil, il n'y a pas de solution. Vous aurez quand même les stats. Mais le niveau, c'est déjà bien. Puis ça fait pas mal de GP, quoi, gratuitement. Donc voilà. Du coup, prochaine vidéo, ce sera du coup sur le fest de janvier. N'oubliez pas le 15 novembre ou le 16 novembre, normalement. Attends, oui, c'est le 15 et le 16 novembre. Il y a du coup le live tournoi Ragnarok qui sera dispo sur Twitch, normalement. Parce que j'ai regardé un peu pour live sur YouTube, mais un peu la flemme. Vu que j'ai le setup Twitch déjà de près, donc on partira plus sur un live Twitch, du coup. Donc voilà,
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. La chatte à la fin de la vidéo était illégale, hein, on va pas se mentir. En tout cas, moi je vous laisse sur cette performance, sur ce tic-tac. Ciao, ciao!